La première dame était visée par l'interprète. Visée par les paroles d'un rappeur français, Brigitte Macron a été traitée de cougar. Des propos qui n'ont visiblement pas plu à l'Élysée. La maison de disques aurait été priée de faire supprimer le morceau de l'album de l'artiste. Des paroles qui ne semblent pas plaire à l'Élysée. Le nouveau titre Cougar Gang issu du prochain album de Kalash Criminel, La Fosse aux Lions, parution prévue le 23 novembre prochain, a suscité une vive polémique. En raison des paroles directement adressées à la première dame, je suis bon qu'à un astérisque qu'est des mères. Je vais astérisque astérisque ce que des mères comme Macron, Cougar Gang, virgule, chante l'interprète. Mais avant même la sortie de ce nouvel opus, le rappeur âgé de 23 ans a été confronté à la décision radicale de sa maison de disques, Universal Music. J'ai eu des problèmes, puisqu'apparemment l'Élysée s'est plaint à la maison de disques que le morceau était trop polémique, a-t-il ainsi expliqué lors d'une interview pour Melty. FR. Du coup, la maison de disques, sans mon accord, a décidé d'enlever le son de mon album. Il ne voulait pas prendre ce risque, nous en étions.